Et bonsoir à tous. Je me suis loupée de d'overlay. On est mieux comme ça. Comment ça va? Comment allez-vous ce soir? Et Mainala, mais ça rouge. Passez une bonne soirée, c'est cool de prévenir. Coucou à Noirlord et coucou Illimitsu. J'imagine qu'il n'est pas très loin. J'ai reçu un message, mais t'étais pas censé commencer à 20h30? Non! Pas encore, j'ai fait le sondage hier, mais du coup, on va dire qu'à partir de lundi prochain, on va commencer vers 20h30, je pense. Parce qu'en fait, 21h en soi, bah, je suis prête avant, donc tout le monde, enfin tout le monde, on attend un peu avant et c'est con. Si on est prêt, voilà, autant commencer plus tôt. Et coucou Katsu, tu es là! Mais où étais-tu aujourd'hui? Je me suis inquiétée. On t'a pas vu. On t'a vu, tu étais en lurk, mais tu avais l'air occupée aujourd'hui. Bon, et coucou Bonne. Re, 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 re. Bon, comment ça va? En ce début de semaine. Pour Aïe Shuko. Allez, parfait. C'est parti. Tout le monde est là, on peut y aller. Ouais, donc semaine pro, à partir de la semaine prochaine, sauf si, bah, je sais pas, événement particulier, on commencera à partir de 20h30, je pense, dans ces eaux-là. Voilà. Ça sera mieux. Non, c'est compliqué ou pas? Bah, vas-y, ou pas? Qu'est-ce qui se passe? Du coup, voilà. Et aujourd'hui, m'est arrivé un truc. Et bonsoir, Oxyfred, bienvenue. J'ai nouvelle patiente qui réserve un rendez-vous sur le site et qui vient de Guyane. Je trouve ça excellent. Julie s'exporte quoi jusqu'en Guyane? Donc, je me demande vraiment comment elle est tombée sur moi, en fait. Je trouve ça trop ouf. Donc, j'ai trop hâte. C'est demain. Je vais lui demander. C'est la petite fierté. Voilà. Rien t'inquiète. Oui, ben rien t'inquiète, tu vas m'envoyer un message. D'accord, Katsu. Hein? On va pas blablater là, ni débattre. Tu vas m'envoyer un message de suite. Et sinon, ça va. Ah ben oui, c'est vrai, c'est fini les vacances en Warlord. C'est passé vite, finalement. Putain, le temps passe. Hein. Instagram. Instagram. Qu'est-ce qu'il y a Instagram? Instagram. Tellement de mystères. Et du coup, la reprise en Warlord, pas trop compliqué. Ça va? Elle t'a peut-être découvert grâce à Instagram. Ah! Moi, j'étais surtout à Akatsu. Enfin, là, je me suis avec Instagram, il a pas Instagram. Qu'est-ce qui se passe? D'accord, ok. Oui, peut-être, maybe. Je ne sais pas. Franchement, je ne sais pas du tout. Je sais pas. C'est possible. On va pas commencer, hein? On va pas commencer. Ça va, j'ai terminé, mais demain sur site. Ah, ok. Donc vous étiez tous les deux en télétravail, du coup. C'est cool. Ok. Bon, demain, vraie reprise, on va dire alors. Ok. Du coup, on va mettre la fameuse playlist un peu plus tranquille, on va dire. Et aujourd'hui, donc, on va commencer un gros dossier sur la théorie de l'attachement. Donc, je dis gros dossier parce que si on faisait un seul live sur le sujet, ça serait très très lourd et très très long. Et je pense que, voilà, Illimitsu, elle va dormir bien avant qu'on ait fini. Donc, on va l'étaler sur plusieurs lives. Il y en a minimum 5 pour le moment. Je pense qu'il va y en avoir 6 ou 7. Voilà. Donc, il faut espérer que le sujet vous intéresse. Moi, il me passionne parce que, comme je vous le disais, bah, j'ai fait mon mémoire, en fait, sur ce sujet-là. Donc, forcément, c'est un sujet qui me plaît beaucoup, beaucoup. Mais j'espère que bah, j'arriverai à vous le faire kiffer aussi et que ça ne sera pas trop, trop, trop chiant. Surtout qu'aujourd'hui, en plus, ça va être un peu psyka-psyka, ça va être un petit peu technique, donc je vais essayer d'être le plus clair possible et d'être pas trop, d'être le moins relou. On va voir comment ça se passe, vous me le direz de toute manière. Et puis voilà, quoi, je pense avoir fait le tour sur le cadre, j'allais dire. Mais ouais. Non, ça a été un sujet vraiment que j'ai kiffé, sur lequel j'ai vraiment kiffé travailler. Et je me souviendrai toujours le jour de ma soutenance, parce qu'il faut savoir que je déteste les prises de parole en public.
C'est notamment pour ça que j'avais hésité de me lancer sur Twitch. Parce que c'est du direct, c'est pas forcément préparé, n'est-ce pas? Et du coup, enfin, j'étais terrorisée vraiment. Mais bon, là, du coup, dans un cadre un peu plus d'études, j'avais trop trop peur. Parce qu'en plus, il y a le truc, ben, je vais me faire juger, hein, forcément, sur le travail que j'ai fait par des professionnels qui savent. Hein, c'est... Ils sont... On n'est pas au même niveau, quoi, en gros. Et c'était la grosse panique. Et Réliana, comment ça va? Et en fait, je crois que ça a été la meilleure soutenance de toute ma vie. Parce que oui, j'en ai fait plusieurs, du coup, vu que, enfin, les masters, licence, école et tout, et tout. Bref, et là, en fait, bah, j'ai vu la différence entre une soutenance de master à la fac et une soutenance de psycha, clairement, dans une école dans laquelle tu fais ta spécialité et que tu es entre professionnels, j'ai envie de dire. Et franchement, mais c'était génial. C'était plus une discussion qu'autre chose, finalement. J'étais terrorisée en plus parce que je me suis retrouvée en fait avec le directeur de la formation et c'est un gars en fait qui paraissait hyper froid, hyper strict, enfin quelqu'un qui était pas du tout, mais pas du tout, t'as pas envie d'y faire des câlins quoi. Et j'étais là, ah, punaise, c'est moi qui me le coltine, forcément, ça va être affreux, ça va être affreux. Et bien en fait, le gars, bah, faut pas faire attention, pas tant que ça aux apparences, hein, parce que vraiment. Adorable en fait, le gars marrant, souriant, rien à voir et hyper intéressant. Et c'était limite, enfin, c'était un échange, c'était un véritable échange et tu sentais que, enfin, il te considérait quoi, vraiment, et c'était trop bien. Il te posait des questions, pourquoi t'as fait ce sujet, pourquoi t'as parlé de ci, pourquoi t'as fait ça, enfin, c'était vraiment, c'était trop bien, trop trop bien. Alors que quand t'es en master, voilà, il te regarde comme ça, limite il s'endorme à t'écouter et il te regarde de haut en bas. C'est pas du tout la même ambiance. Mais voilà pour la petite histoire. Donc la dernière fois, je vous avais demandé si vous vouliez que bah, je me base un petit peu sur mon mémoire et tout. Vous m'avez dit oui. Voilà. Tellement d'entrain que je n'ai pas pu résister, évidemment, vous parler du sujet en profondeur, n'est-ce pas? Et du coup, c'est pour ça qu'on va vraiment. On va vraiment parler de beaucoup de choses. De beaucoup de choses. Il se peut que tous les thèmes ne vous intéressent pas forcément. Il se peut qu'il y ait des choses qui soient un peu plus difficiles à capter, peut-être. J'ai essayé de faire au plus simple, parce que c'est pas toujours évident, certaines notions en psycha, mais normalement, j'en ai pas trop laissé des trop compliquées, on va dire. Quand je dis tout ça, c'est pas du tout péjoratif vis-à-vis de vous, évidemment, mais c'est que bah c'est comme tout terme technique en quelque sorte. Enfin voilà, je prends l'informatique par exemple, vous allez me dire des mots spécifiques à l'informatique, je vais pas capter. C'est un peu la même idée quand je dis ça, en fait, hein. Ça va, je me fais bully sur si. Ok, mais courage, Réliana. Les plus froids, c'est souvent les plus pros, moi je kiffe. Mais je m'en suis rendu compte. Moi, c'est des personnes qui m'impressionnent en fait de base parce que j'allais dire, je suis pas quelqu'un de froid. Et pourtant, si. Enfin, pas froid. On a tendance à me dire que je suis pas très agréable comme personne. Et après, bon, quand on me connaît, on capte que c'est pas du tout le cas. Mais du coup, je me rends compte qu'en fait, oui, c'est pas parce que t'es froid, au premier abord en tout cas, que t'es un con, quoi. Voilà. Donc du coup, on est parti. Aujourd'hui, ça va être un petit peu d'histoire. Un petit peu d'histoire que je vais essayer de vous illustrer. De vous illustrer avec des vidéos YouTube. Waouh. Aujourd'hui, on met les moyens, vraiment. J'ai essayé de paramétrer ça. Ça fonctionnait avant que je lance le live. J'espère que ça va continuer de fonctionner. Il n'y a rien de compliqué, je sais, mais n'oubliez pas qui je suis. Hein. Internet et moi, enfin OBS et moi et tout ça, voilà quoi. Mais bon, normalement ça devrait bien se passer. S'il y a des soucis au niveau du son ou de quoi que ce soit, faudra juste être réactif et me le dire, s'il vous plaît, parce que moi je vais pas m'en rendre compte. Mais normalement ça devrait aller. Voilà pour les indications techniques. Une fois j'ai une collègue qui m'a dit qu'au début je lui faisais carrément peur. Ah mais je comprends. Je comprends. Parce que ben, quand t'es quelqu'un de. J'ai une restitution. Ben voilà. Alors ça c'est notre truc avec Hélène. C'est. Voilà, on se surnomme les bitches parce qu'en fait, on a vraiment une tête de bitch. Il y a des photos, vraiment. Enfin, on s'est fait un dossier photo. Où vraiment les têtes, t'as pas du tout envie d'aller leur parler aux nanas. Tu te dis, mais mon Dieu, qu'est-ce qu'elles sont connes, celles-là. Alors que non, nous ne sommes qu'amour. Voilà. Si jamais ça marche plus, je suis là. Oui, je suis là. I know, I know, I know. Reste là du coup, hein. Va pas dormir de suite. Bienvenue au club. Mais voilà, nous sommes des gens froids et des bitches, mais nous ne sommes qu'amour et gentillesse.
On m'a sorti que j'étais super arrogante en mode grosse conne alors qu'en fait je suis timide. Oui, ben c'est ça, ben en fait c'est exactement pareil, hein. Ça aussi, bien sûr, carrément, je suis entièrement d'accord. Mais moi, en fait j'en suis passée à un point où bouh, ben écoute, t'aimes pas ma tronche, ouais, j'ai envie de tirer la tronche, je tire la tronche, voilà, je te sourirai si j'ai envie. Oh, ça suffit, voilà. Alors, c'est parti. Je commence mon petit blabla, je check le chat en parallèle entre chaque truc et puis voilà, on fait comme d'habitude, vous êtes habitués. C'est parti. Donc du coup, comme je vous le disais, on va commencer par un petit peu d'histoire. Donc on va parler de Bowlby. Bowlby, c'est un grand psychanalyste et psychiatre britannique et c'est lui le pionnier, hein, OK, dans la théorie de l'attachement. Donc en fait, il définit l'attachement comme un équilibre entre les comportements d'attachement envers les figures parentales et les comportements d'exploration du milieu. Donc c'est-à-dire en fait les comportements qu'on va avoir envers nos parents et nos comportements quand on va quand on est enfant, vous savez, ben, on explore l'environnement, on découvre, donc c'est un petit peu tout ça. Donc c'est cet équilibre qui définit l'attachement. Il va parler de système motivationnel d'attachement. Ça représente un ensemble de comportements innés et organisés, sélectionnés et gardés dans le patrimoine génétique afin de favoriser la survie de l'individu et de l'espèce. C'est marrant. Pour le bébé, l'attachement, c'est donc un besoin primaire, inné et biologiquement programmé, dont la finalité, en fait, c'est de rechercher la proximité physique d'un adulte en cas de détresse. Un enfant, en fait, tout seul, un bébé, hein, en tout cas, et même un enfant, enfin, vous m'avez compris, un bébé tout seul, il ne peut pas survivre. Donc, le besoin inné et primaire, en fait, c'est de trouver quelqu'un, en gros, pour qu'on s'occupe de lui. Voilà, et pour qu'il survive. Donc, pour lui donner à manger, etc., etc., etc. Donc, il va s'attacher, en fait, à quiconque est accessible et est capable de procurer une sécurité. Bon, ça, rien que ça, déjà, on parle des enfants, mais ça peut quand même vous évoquer certaines choses pour des adultes. Mais bon, je ne spoile pas, hein, sinon, on va vraiment faire qu'un live et c'est pas marrant. Donc, Bowlby, il a été influencé par plusieurs personnes. Il a été influencé par Lawrence, Harlow et Spitz, dont je vais vous expliquer à peu près leur théorie. Et où je vais vous montrer des vidéos. Oh, vous n'imaginez pas à quel point je suis trop contente de faire ça. Hein, mais bon, bref. C'est des petites vidéos, hein, on n'est pas parti pour des heures et des heures, hein, vous inquiétez pas. Alors, Harlow, c'est un psychologue. Je suis désolée, j'ai un truc dans l'œil depuis tout à l'heure et ça me gêne. Donc ne vous concentrez pas sur moi qui me trite sur l'œil. Tout va bien. Donc c'est un psy. Et à la fin des années 50, il a fait des expériences sur des singes, en fait, dont il étudiait le comportement. Alors, je vous le dis déjà d'avance, il n'y a pas de torture, hein. Il n'y a pas de torture. Je ne vais pas vous montrer des trucs ignobles, d'accord? Les animaux n'ont pas à souffrir, on va dire. Mais si du coup vous êtes sensible à tout ça, aux expériences sur les animaux, je préfère vous le dire, quand je lance la vidéo, peut-être couper ou ne regardez pas. Moi, ça me fait rien, entre guillemets. Mais voilà, je préfère vous le dire, on sait jamais s'il y en a qui sont sensibles à tout ça. Ok? Donc en fait, ce qui se passait, c'est qu'ils séparaient les mères. Ils séparaient les bébés singes de leur mère. Donc 6 à 12 heures après leur naissance, hein, c'est rapide. Hein, et il observait que ceux qui ont une couverture dans leur cage, ils avaient une durée de vie supérieure à ceux qui étaient placés dans une cage sans couverture. Ok? Il a poursuivi cette expérience-là. En proposant aux petits singes deux mères de substitution. Une mère en fil de fer, donc qui pique, qui fait mal, enfin qui est dure, quoi, c'est du fil de fer, hein, mais qui a un biberon. Et une mère douce et chaude, genre une peluche, mais qui n'a pas de biberon, ok? Donc on a une mère qui pique et qui fait mal, mais qui nourrit. Et une mère douce et chaude, donc on aime bien s'y blottir, mais si on a la dalle, c'est compliqué. Voilà. Et en fait, qu'est-ce qu'il a constaté? D'après vous, c'est un bruit de tambour. Tac, 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 tac. Voilà. Il a constaté en fait que le bébé singe, il choisissait la mère peluche, la mère qui était réconfortante. Donc, il en est ressorti que le processus d'attachement, en fait, il va répondre à un besoin de contact physique et réconfortant, et pas forcément d'emblée à un besoin de se nourrir. Ok? Est-ce qu'on est bon jusque-là? Je vous lis, du coup. Tout, 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 tout. Il faut que je fasse un effort pour animer mon visage en fonction de mes émotions. Et oui, parfois, c'est pas forcément inné, justement, de montrer ses émotions. Pareil, je suis assez froide de prime abord. Bon, bah, on est la team frigo. C'est très moche, dit comme ça.
Trop cool. Oh. Oh, je connais cette histoire. Coucou et coucou le bloop. Comment ça va? Ça fait plaisir de te voir. J'ai aussi vu ce reportage, mais je veux ton avis. Alors je vais rester. Ok, les pauvres, je suis d'accord. Alors du coup, on va justement commencer cette première vidéo. Tac, tac, tac. Ok, tac. Donc, touc. Touc. Popopo, ça s'affiche. Donc théorie de l'attachement, Arlo et les bébés macaques, c'est sous-titré. Et puis la team Reine des Glaces, c'est beaucoup plus mignon, effectivement. Ça me fait repenser à nos chatons habiberonnés. Oui, bah oui, c'est vrai. Alors vous voyez, 4 minutes, voilà. Si jamais, voilà, comme je vous l'ai dit, si vous avez du mal à regarder les animaux, tout ça, dans les expériences, je comprends et ne regardez pas, effectivement. Après, il n'y a pas de, y a vraiment pas de torture, en tout cas au sens auquel moi j'entends. Ok. Donc voilà, je préviens. Once a day, the pad is removed for cleaning. This is the laboratory of psychologist Harry Harlow. Distressed. Permanently depressed. He is studying monkeys to better understand human relationships. He may die for want of love. Food or security? Which is motherhood's stronger appeal? Alongside a worn, familiar mother of cloth is a stark wire doll set up as nothing more than a feeding machine. The young monkey is placed deliberately on a cloth mother which has no milk to nourish him, but fulfill some fundamental needs. This experiment revolves around one simple question. Will the infant monkey switch his affection to a wire mother which offers food and life itself? Only when forced by hunger does he loosen his grip and begin to yield to nature's most powerful internal drive. From the wire mother, he derives one thing, nourishment. No warmth, no comfort, no feeling of security. After feeding, he returns to spend up to 22 hours a day near the only mother he knows. From this inanimate. Let's put a monkey into the room. Notice how cautiously he enters the room. He's searching for comfort, but nothing relieves his disturbance. Now we'll take the baby monkey out and put in a wire mother. Now this one was nursed by a wire mother. That's right, all his life. She doesn't seem to help much. Now we'll try the same test with a cloth mother in the room. You see the contrast in the behavior? Despite the fact that the wire mother nursed him, she could offer this infant nothing in the way of affection or security. But here the monkey, by rubbing against the cloth mother, as if he was seeking as much contact comfort as he could get, builds up his reservoir of affection and security. First his body relaxes as the fear disappears. But above and beyond this,
new positive response patterns appear. He now goes out to explore and investigate this new strange world. He is now a normal, happy, curious baby. Votre bébé de 9 mois hurle dès qu'il ne vous voit plus. Oh. Votre petite fille de 3 ans ne veut pas se séparer de vous même pour aller au lit. J'ai tout qui bug. Je vous dis, c'est normal. Ok. Alors, est-ce qu'il y a des commentaires déjà? Dites-nous tout. Ça me refait penser à nos chatons à Biprono. Oui, ça j'avais vu. Ok, merci Nico pour le lurk. Ouais, ouais. Alors ça fait de la peine, hein. Je suis bien d'accord. On avait certains chatons qui têtaient leur coussinet. Puis il est tout seul, ouais. Le mien n'était pas sevré alors qu'il était censé l'être. Il me têtait le noix toujours. Ça me faisait mal au cœur. Sevrage alimentaire, ça va tirer de 1 mois, grand minimum. Mais le sevrage social, c'est 3 voire 4 mois. Je remets juste la petite musique. Ça fait mal à notre petit cœur de glace. C'est dur à supporter comme image. Je comprends. Je comprends bien. Et encore que dans cette vidéo-là, ça va. Enfin, ça va. Il y a une vidéo où on voit qu'il envoie en fait un singe mécanique qui fait super peur et qui fait un bruit de ouf et le singe il est terrifié. Enfin bon, voilà, je vous ai épargné un petit peu tout ça. Mais voilà, effectivement, c'est dur de constater ça, je suis bien d'accord. Après, voilà, malheureusement, c'est comme ça que les recherches ont été faites pendant très très longtemps. C'est triste, hein. Je suis bien d'accord. Ça me rappelle une expérience sur des humains qui avait été faite mais liée à la langue pour savoir si c'était inné. La langue, genre, au niveau linguistique ou quoi? Et tu t'en sais plus sur cette expérience? C'est intéressant en tout cas. Donc du coup, voilà pour Arlo. Donc, en gros, on va dire, ok, avoir de la nourriture, c'est bien. C'est nécessaire, on va dire, mais le réconfort, la chaleur, l'amour, finalement, c'est quand même des éléments qui sont hyper importants dans le développement, d'un bébé. La prochaine vidéo, ça va être sur des humains. Peut-être que ça vous fera moins mal au cœur, vous me direz. Alors, là, on va parler de Spitz et on va parler de l'hospitalisme. Je ne sais pas trop si vous connaissez ce terme non plus, vous me direz. En fait, c'était suite à la Seconde Guerre mondiale. Donc Spitz, c'est un psychanalyste. Et il va s'intéresser donc à ce fameux syndrome qui est l'hospitalisme. En fait, il travaille dans une pouponnière de pénitenciers pour femmes. Et ça va être le premier à démontrer les effets négatifs de la privation maternelle. Donc pénitencier pour femmes, c'est des femmes en prison, d'accord? Et qui du coup, y en a, elles ont accouché et donc il y a des pouponnières. Voilà. En fait, il va découvrir que chez ces bébés-là, donc les bébés de ces femmes qui sont incarcérées, ils vont avoir des symptômes dépressifs. Et il va décrire en fait ce qu'est la dépression anaclitique, qui est une carence affective partielle chez des enfants qui vont être séparés de leur mère durant leur deuxième semestre de vie, mais qui ont bénéficié avec elle d'une relation positive avant la séparation. Si la séparation est prolongée, l'enfant en fait, il va tendre vers un état de marasme physique et psychique que Spitz a donc nommé l'hospitalisme. Donc, ce qui signifie en fait une carence affective totale. En fait, ces signes de désespoir, ils ne vont pas être liés aux conditions d'accueil. Hein, ce n'est pas parce qu'ils sont en pouponnière dans une prison. C'est bien à cause de la rupture des liens, avec leur mère, hein, et qui n'est pas compensée forcément, hein, par une qualité d'attention et une relation suffisante avec le personnel de l'établissement. Donc du coup, on va avoir une petite vidéo à ce sujet aussi. C'était d'une émission, elle provient d'une émission avec un docteur qu'on connaît tous, je pense. Je vais juste lire ce que vous avez dit. Il était prostré dans la cuisine de la nana qui me l'a vendu, ça m'a tué de le voir comme ça et maintenant il me supporte partout. Je
suis un peu sa maman et ça me fait plaisir de voir qu'il a quand même grandi normalement. Bah oui, bah tu l'as sauvé, tu lui as donné tout ce qu'il fallait, de l'amour et de la nourriture. Un humain mis en cage, ça sera drôle. Oui, tout est relatif. J'avais vu une vidéo avec des jeunes enfants à qui on parlait pas du tout, etc. Mais j'en sais pas plus. Ouais, d'accord. Mais moi, ça me fait mal au cœur, franchement. Enfin, que ce soit animaux ou humains, quand même. Enfin, qui serait vachement intéressant. Mais franchement, je pense que je vais me mettre à faire des réacts. J'ai trop envie. Je pense qu'il y a moyen de moyenner pour faire ça. Parce que y a des vidéos psy, franchement, qui sont hyper intéressantes sur les expériences sociales et tout. Et il y a moyen de bien discuter. Parce que ça me fait penser à cette expérience. Bon, en fait, moi, je l'ai découverte à la fac. Et après, en fait, elle est... Enfin, par la suite, bah, y a eu les réseaux sociaux, n'est-ce pas ? Et cette vidéo, je l'ai vue tourner plein de fois. Elle a été refaite aussi. C'est pas en lien, hein, mais c'est que ça m'y fait penser au niveau des expériences sociales sur la couleur de peau, en fait. Un enfant blanc, un enfant noir, on leur montre une poupée, blanche ou noire, on leur demande... Qui est la poupée gentille, qui est la poupée méchante, et je vous laisse deviner évidemment la réponse, mais venant de chaque de tous les enfants. Hein. Donc c'est assez particulier. Donc c'est pas le sujet, donc on va pas blablater de tout ça, mais je me dis ça peut être le genre des sujets qu'on pourrait faire, voilà, par-ci par-là. C'est vachement intéressant, Juju. C'est de le faire soi-même. Sur des humains, ouais, ou pas. oui, vous voulez savoir quelle était la langue des humains, du coup, des enfants coupés de tout échange. J'ai retrouvé ça a été fait par Frédéric Neuil, les enfants. Bouh! D'accord, génial les expériences. Bon, au moins tu nous montres bien que c'est très important de communiquer. Oh bah c'était ça que j'avais vu. Bouh! D'accord, ok. Bah, si jamais vous retrouvez les vidéos ou quoi, mettez-le sur Discord. Hein. Je posterai sur le Discord Katsu. Pourquoi je parle ? Katsu, il est toujours là. Il est toujours connecté à mon cerveau. C'est fantastique. Bon, mais cette vidéo, elle dure 8 minutes. J'espère que ça sera pas trop long pour vous. Vous me direz si ça vous saoule et je couperai, si jamais. Voilà, voilà. Donc là, l'hospitalisme. Le magazine de santé au quotidien. Voilà, voilà. Période. Ce syndrome était très fréquent dans les pouponnières de la France d'après-guerre. La solitude rendait les jeunes enfants malades. Ils dépérissaient peu à peu, aussi bien physiquement que psychiquement. L'enfant en carence affective passe par différentes étapes. Le premier mois de séparation, il va pleurer, crier, il va chercher le contact. Le deuxième mois, il dort mal, il perd du poids, sa croissance est ralentie. Et le troisième mois, il semble détaché, indifférent et ne témoigne plus aucun intérêt ni pour les personnes ni pour le monde extérieur. Alors à l'époque, la psychologie des enfants n'était franchement pas d'actualité. On pensait que le comportement de ces enfants était dû à leur hérédité, parents alcooliques, syphilitiques, ou pourquoi pas attardés de génération en génération. Ces explications ont été balayées par la découverte de l'hospitalisme, que l'on doit notamment à un psychanalyste d'origine hongroise. Retour sur ce syndrome avec Claire Perdry et Maxime Soulard. Au début des années 90, le monde entier découvrait avec effroi les orphelinats roumains. Ces enfants que l'on croyait attardés ou autistes souffraient en fait d'une pathologie bien connue des pédopsychiatres, l'hospitalisme. Alors, les symptômes les plus évidents, c'est le vide. C'est le vide, c'est la tristesse, c'est l'abattement. C'est quelque chose d'absent. La deuxième chose qui frappe, c'est ça, c'est une sorte d'activité répétitive, c'est se bercer soi-même. Hein. On n'a pas de stimulation, donc on cherche à s'auto-stimuler. Et c'est ces enfants qui se balancent interminablement, ou qui sucent leur pouce avec le regard perdu, ou qui se tirent les cheveux, ou qui même se tapent. Hein. Et c'est absolument désolant à voir. Hein. Vous voyez un enfant tout seul, un enfant absolument privé du nécessaire psychiquement vital. C'est au début des années 30, en filmant des enfants séparés brusquement de leur mère délinquante et placés dans la pouponnière d'une prison, qu'un psychanalyste d'origine hongroise, René Spitz, identifie le premier ce syndrome. Là où Spitz a été révolutionnaire, c'est d'abord d'utiliser le cinéma, regarder, d'observer, de ne pas interpréter les choses comme le faisaient ses collègues en disant « voilà, cet enfant est triste parce qu'il a envie la grossesse de sa mère ou il est dans tel ou tel conflit ». Il a dit « mais regardons ce que nous avons sous les yeux ». Cet enfant a une maladie, et cette maladie, c'est la maladie de la séparation. C'est ce que dit Spitz en toutes lettres.
En France, dès les années 40, des psychanalystes et des pédiatres s'intéressent à leur tour à ces enfants malades de séparation et pointent les carences des institutions. Que ce soit Jenny Aubry, mais que ce soit Myriam David, Geneviève Appel ou d'autres pionnières, ce sont elles qui ont dit voilà ce que ça donne ces effets-là. Voilà ce que c'est une pouponnière. Et voilà ce qui se passe chez ces bébés quand on les laisse seuls avec des gens qui s'en occupent de façon un peu automatique, hein, sans un lien privilégié d'attachement. Une des choses, par exemple, c'est les enfants qui ont le syndrome du train d'atterrissage, qui montent les jambes au lieu de les poser. Ça, c'était quelque chose qu'on observait dans les pouponnières, hein, ce genre de choses. Donc des retards psychomoteurs, des choses importantes, parce qu'au fond, l'enfant n'a pas été accompagné dans une démarche d'exploration, n'a pas été soutenu. Et pour faire ça, il faut être soutenu dans une relation. Problèmes de croissance, retards intellectuels parfois irréversibles, les conséquences dramatiques de l'hospitalisme vont provoquer un changement radical dans la pratique de la pédiatrie. Elle prendra désormais en compte la psychologie du bébé et son besoin vital d'affection. Après, les psychologues, les scientifiques ont étudié ce syndrome. Ce qui est rassurant, c'est qu'ils ont découvert que l'hospitalisme était réversible. Quand l'enfant retrouve une stabilité affective, il va mieux. Mais il faut ajouter tout de même un bémol. Tout dépend de l'âge du bébé. Des périodes sont très sensibles pour le bon développement de l'enfant. Les séparations pendant les 3 premières années sont les plus graves, et particulièrement entre le 6e et le 15e mois de l'enfant. Des radiologues américains ont récemment étudié le cerveau d'enfants roumains âgés de 9 ans. Ces petits n'avaient connu que l'orphelinat avant d'être adoptés à l'âge de 3 ans. Leur cerveau présentait des années après des séquelles irréversibles. Les zones cérébrales impliquées dans les émotions étaient moins développées que celles des autres enfants. Même si on peut toujours émettre des réserves sur l'histoire du quotient intellectuel, l'étude indique quand même que le QI de ces enfants se situait autour de 80, c'est-à-dire bien en dessous de la moyenne. Et s'il fallait une preuve scientifique des conséquences néfastes de la carence affective, elle est établie. Aujourd'hui, les professionnels en contact avec des enfants sont très vigilants. Claire Perdry et Maxime Soulard l'ont constaté en se rendant dans une pouponnière en région parisienne. Là-bas, des enfants de 0 à 3 ans sont placés sur décision judiciaire. Pour garantir l'anonymat, vous comprendrez bien que les prénoms de ces enfants ont été changés. Regardez. Quand ils arrivent à la pouponnière, ils n'ont que quelques semaines ou quelques mois et un passé déjà très lourd. Ça y est, t'es réveillée ? Oui, tu as bien dormi ? Séparés de parents parfois maltraitants ou simplement dépassés, ils vont devoir se reconstruire loin d'eux. Paul vient d'avoir 1 an. Récemment encore, il présentait les signes inquiétants d'une carence affective et se balançait inlassablement dans son lit. Il a quoi ce yaourt ? On dirait que ça sent le citron. C'est un enfant qui manifeste certaines angoisses selon les situations qu'il peut vivre. Et puis, c'est un enfant qui est surprenant, quoi. Il a beaucoup évolué en peu de temps. C'est aussi le fait de lui avoir apporté les soins que nous lui avons donnés qui a fait qu'il a pu petit à petit se construire et puis prendre confiance en lui. Hein, voilà. Pour la plupart des soins, c'est Martine qui va s'occuper de Paul, car pour ces enfants fragiles, passer de bras en bras est un nouveau traumatisme. Présente dans un coin de la pièce, la psychologue note l'évolution de leur rapport. Ce sont des enfants qui ont mis en place des mécanismes de défense, on va dire, des comportements évitants. C'est-à-dire qu'ils vont se protéger de la relation, parce que la relation peut être extrêmement angoissante, parce qu'ils ont déjà vécu des ruptures, des discontinuités qui les ont échaudés, et il faut toute la patience et toute la ténacité des auxiliaires et toute l'attention qu'elles peuvent avoir pour que petit à petit l'enfant accepte de se laisser approcher et accepte de faire confiance. Rien n'est laissé au hasard pour repérer les éventuels signaux de détresse des petits pensionnaires. Et dans sa manière de boire, est-ce qu'il arrive encore à se jeter en arrière, à sursauter comme il faisait? À la fois, il voulait boire, puis à un moment donné, il rejetait le biberon. Est-ce que c'est encore des signaux qui perdurent, ça? De moins en moins. On a tout observé qu'il arrive à... Il est beaucoup plus calme. D'ailleurs, en rapport avec ses balancements, il y a aussi le fait que son eczéma a quand même régressé. Il a une peau beaucoup plus belle, parce qu'il réagissait beaucoup aussi quand... En somatisant.
toute son histoire à la pouponnière qui peut durer de quelques mois à 2 ans et consignée dans un cahier que l'enfant emportera avec lui pour que cette période ne soit jamais un vide ou un tabou. On a des photos également des parents pour que plus tard cet enfant sache que pendant tout son séjour à la pouponnière, ses parents sont restés présents, qu'ils n'ont pas pu s'en occuper au quotidien pour différentes raisons, mais que bien qu'il ait été séparé de ses parents, eux sont restés présents dans sa vie tout au long de son séjour. Les visites des parents sont encouragées et même si plus de la moitié des enfants seront placés en famille d'accueil et ne retourneront pas chez eux, le lien n'aura jamais vraiment été coupé. T'as mis le beau pyjama et le beau body de maman. Ouais. C'est les vêtements que ta maman a portés pour toi. Oui. Martine ne remplacera jamais la maman des enfants dont elle s'occupe, mais elle sera la figure d'attachement dont ils ont besoin pour grandir sans être malade de la séparation, victime du syndrome d'hospitalisme. Alors aujourd'hui, on sait qu'il est indispensable d'expliquer à un enfant les raisons et la durée d'une séparation, et ce même à un nouveau-né. Et heureusement, l'hospitalisme se fait plus rare. Et c'est parce que les structures médicales ou sociales prennent en compte l'importance de l'attachement, notamment dans la relation mère. Voilà, voilà. Tac, tac, tac. Il est dans ta tête, ça fait un peu peur. Non, il y est que quand il faut. Ah oui, Réliana, tu déconnes là. C'est pas cool ça. On revient de loin, et oui. Et coucou Flo, comment ça va? Ah, le QI se développe à la naissance. On peut être plus intelligent suivant notre enfance. Alors en fait, le QI, c'est... Ça aussi, c'est une notion un petit peu discutée, on va dire, parce que en fait, le QI, tu vas l'évaluer, tu évalues plusieurs types d'intelligence. On va évaluer vraiment tous les types d'intelligence et du coup, bah forcément, oui, ça va être lié à ton enfance, à la façon dont tu t'es développé, dont tu as exploré ton environnement, etc., etc. Donc ça peut être lié, effectivement. Mais ça peut se travailler aussi d'une certaine façon, du coup. C'est passé vite, c'était intéressant. Ok, cool, tant mieux. Est-ce que vous avez des commentaires là-dessus ou pas? Ou voilà. Dans 15 000, t'auras l'immense joie et le déplaisir de manger une salade. J'ai ta salade entre mes mains. Ouais, c'est pas cool ça, Réliana. Le QI, c'est très relatif, ça mesure pas tous les types d'intelligence. Alors oui, ça les mesure pas tous, je suis bien d'accord. Ça en mesure plusieurs, en tout cas. Décompte pas, pose ses points de chaîne au sol. Donc voilà. Donc moi, je l'ai trouvée très intéressante, cette vidéo. Elle représente assez bien, encore une fois, à quel point le contact physique et vraiment la présence d'une figure d'attachement est vraiment très très importante dans le développement affectif d'un enfant. Et on peut voir vraiment les dégâts que ça peut faire, voilà, ils l'ont dit au niveau du développement, enfin des enfants qui vont préférer, mais par exemple, voilà, relever les pieds plutôt que de les poser, c'est un réflexe, ça qu'on teste chez les nouveau-nés, hein. Il y a différents réflexes qu'on va tester, notamment celui-ci, et un enfant qui va préférer ne pas toucher. Bon, voilà, c'est des petits signes. Donc, voilà. Et c'est bon, ce qui est encourageant, on va dire, c'est que ces enfants qui ont pu manquer de soins affectifs, quand on recrée le lien, en tout cas, petit à petit, ça s'améliore, en tout cas. Donc, tout n'est pas perdu, si on peut dire ça comme ça. Enfin, le dernier, c'est Lorenz. Alors, pour le coup, lui, j'ai pas pu vous trouver de vidéo et je suis un peu déçue parce que moi, j'ai souvenir d'en avoir vu. Mais les seules vidéos que j'ai trouvées, ça parlait vraiment de parapsychologie et de poussins télépathes. Donc, je trouvais pas trop que c'était dans le sujet. Donc, je vais pas vous les passer, d'accord ? Mais en gros, Lorenz, c'était en 73, et c'est un biologiste et zoologiste, et il s'intéressait en fait au phénomène d'empreinte sur des poussins. En fait, il avançait l'idée que le poussin, il va suivre ce qui bouge, tout ce qui bouge. La première chose qui bouge, dans les heures suivant son éclosion, il va s'y attacher. Et en fait, c'est une empreinte qui va être irréversible. Et en fait, si je vous dis pas de bêtises, l'expérience, c'était que c'était fait avec Lorenz lui-même. Le poussin, il s'attachait à lui, c'était la première
chose en soi, la première personne qui était là lorsqu'il est né. Du coup, on le voit, ce poussin qui grandit et tout, et qui le suit tout le temps partout. Ici, c'est une empreinte, en fait. J'allais faire le parallèle, du coup, avec les vampires, Réliana. Tu vois, ils sont assujettis, par exemple. C'est un peu le même délire, je pense. Et donc, voilà, en fait, selon Bowlby, cet attachement sélectif du bébé à sa mère, parce que finalement, bah, le bébé, la première personne qu'il voit aussi, généralement, c'est sa mère, bah, ça pourrait reposer sur un phénomène qui est analogue à celui-ci. Effectivement, je vois pas le lien. Le lien avec quoi ? Ah, avec la parapsychologie, ok, je me suis reconnectée. Effectivement, oui, les poussins télépathes. Et qu'est-ce que... Alors, je vous avoue que, pour le coup, ces vidéos-là, je les ai passées à l'arrache, parce que c'était pas le sujet. Mais ils disaient quoi ? Bah, que les poussins pouvaient communiquer entre eux, du coup, par la pensée, mais je sais plus exactement. Pour le fun, au pire, je pourrais vous les sortir, mais en fait, si vous tapez Lorraine, ces poussins, vous trouverez ces fantastiques études. Alors, du coup, là, on va partir dans quelque chose d'un peu plus psycha. Accrochez-vous, j'espère que je vais pas vous perdre. Allez boire un coup si jamais, prenez de quoi manger. J'espère que ça va le faire et que je vais pas trop vous gonfler. Voilà. Faudra me le dire si jamais. Mais voilà, je suis désolée d'avance, si jamais. Donc là, on va parler Freud et on va parler Klein. Et je crois que c'est tout pour ce soir. Ça sera déjà pas mal. En fait, c'est, à mon sens, nécessaire qu'on parle de tout ça parce qu'on va parler du développement psycho-affectif et donc sexuel de l'enfant. Et pour parler de théorie de l'attachement, enfin, à mon sens, il faut comprendre aussi comment tout ça se met en place, dans l'ordre, on va dire. Après, évidemment, attention, on est du côté psychanalytique, d'accord ? Il y a toujours pareil, à en prendre, à en laisser. Mais là, on suit des théories, ok ? Psychanalytiques, vraiment. Donc, voilà. Après, on n'est pas là non plus pour débattre au sujet de la psychanalyse, n'est-ce pas ? Donc voilà, mais je précise quand même bien le cadre, ne vous étonnez pas de ce dont on va parler, tout simplement. Donc, Freud, j'aurais dû mettre mon t-shirt Freud en fait ce soir, je suis con, j'y ai pas pensé, je le mettrai la semaine prochaine. La semaine prochaine on parle pas de Freud. Bon bref, je m'égare. Alors, en fait, selon Freud, toujours, la relation avec un objet, donc un objet ça peut être une personne, ça peut être des tas de choses, hein. Là en l'occurrence ça va être une personne évidemment. Donc la relation avec un objet, elle va être dépendante des pulsions. On le sait, Freud, c'est pulsion, voilà, c'est pas un secret. C'est l'absence de l'objet, donc l'absence d'une personne par exemple, qui va aider l'enfant à créer sa représentation psychique. Une représentation psychique, c'est donc c'est l'image qu'il va avoir dans son esprit en quelque sorte. Donc objet absent, il est pas là, il faut que je me l'imagine. J'essaie vraiment de vous les expliquer comme il faut. Je suis pas très très bonne forcément pour les explications, donc j'espère que ça va être clair. S'il y a des questions, faudra pas hésiter, ok ? Donc ça c'est pour Freud. Mais pour Bowlby, donc le pionnier de la théorie de l'attachement, l'enfant, lui, il va être en quête d'objet, donc en quête d'une représentation, d'une personne, avant d'être en quête de plaisir, et donc de ses pulsions, tout ça. La relation avec l'objet, elle est primaire, réelle, et elle correspondrait à un besoin préprogrammé. Mais bon, quand on regarde un petit peu toutes les théories, personnellement, moi je pense que la pulsion, elle n'est pas forcément à laisser de côté totalement dans la vaste théorie qui est la théorie de l'attachement. Et donc du coup, c'est pour ça qu'on va aborder les théories freudiennes et kleiniennes, pour comprendre un petit peu mieux tout ça. Pour comprendre, pour vous y perdre encore plus. Tu as un t-shirt Freud ? Ils font du merch. Ouais, mais je l'ai depuis la fac, je dois l'avoir depuis Maël, il est nickel comme tout. C'est Freud et avec, je sais plus comment il est, mais il est trop beau. Mais il faudra que je le mette un soir de live psy, ça serait rigolo. Ouhou, parce qu'on se marre. La poupée Annabelle OMG. Pourquoi ? Alors, du coup, la naissance, ok, quand on naît, en fait ça va être le premier traumatisme pour une personne, voilà. Ça, c'est tout un sujet aussi, mais je trouve ça hyper intéressant. L'enfant, en fait, il va être dans un état de détresse qui va le rendre totalement dépendant à sa mère pour qu'elle protège du monde extérieur qui est hostile. Ça, c'est ce que je vous disais un petit peu tout à l'heure. L'évolution sexuelle de la personne, elle va être divisée en différents stades qui vont impliquer forcément la présence des parents. Je le rappelle, un bébé tout seul, c'est pas possible. Donc, on a le stade oral durant la première année de l'enfant, le stade anal de la deuxième à la troisième année, et le stade phallique entre les 3 et 6 ans de l'enfant où apparaît Œdipe. Ok ?
on n'en parlera pas aujourd'hui, c'est assez complexe comme complexe, n'est-ce pas? On va en parler comme ça, quoi. Mais voilà, on va pas vous perdre un petit peu plus. Alors, le stade oral, donc, c'est la première phase de la sexualité de l'enfant. L'essentiel de son plaisir, en fait, il va être développé au travers de la tétée. En fait, l'enfant, il va incorporer petit à petit l'image de sa mère par l'odorat, par la vue, l'écoute et le toucher. Donc ces zones érogènes dominantes, ça va être la bouche et les lèvres. Pendant cette phase, l'enfant, il va avoir qu'une représentation partielle de sa mère. C'est ses seins et son visage. Hein, il n'a pas plus de... Enfin, vous avez l'image, j'imagine. Il ne voit pas grand-chose de plus, à la base. Donc du coup, la bouche, en fait, ça va vraiment être le foyer de l'incorporation. Le bébé, il pense qu'il n'existe que ce qu'il ressent. Ça y est, ça va commencer à devenir compliqué. Donc l'enfant pense qu'il n'existe que ce qu'il ressent. Ok ? Donc en fait, quand le bébé ne tète plus, la mère, elle n'existe plus, parce qu'il ne la sent plus. Ok ? Là, je vous vois comme ça. Putain, qu'est-ce qu'elle dit ? On ne suit plus du tout. Elle a vrillé, ça y est. Ouais, on est en petit cas, on est bien, hein ? Ici en fait, on va parler de la non-acquisition d'objets permanents du nourrisson. Si la mère ne répond pas immédiatement en fait aux besoins de son enfant, ça va procurer en lui une frustration, un manque, et il va se rendre compte en fait que le sein ne fait pas partie de lui. Ouais, non, ça va. Alors, les interactions entre la mère et l'enfant, elles vont réguler cette angoisse du coup. Après, attention, c'est logique, voilà. Le bébé, il connaît que sa mère, il est en contact avec sa mère, il se sent bien. Plus de contact avec sa mère n'existe plus, il panique. C'est compréhensible, je pense, jusqu'à présent. Et logique, j'ai envie de dire. Pour décharger cette tension due à la frustration, qu'est-ce qu'il va faire l'enfant, du coup? Il va compenser d'une certaine façon. Donc il va sucer son pouce, généralement. Et du coup, de cette façon, il va se donner les moyens d'une satisfaction auto-érotique, comme on dit dans le milieu, voyez-vous. Donc, il va pouvoir se passer, grâce à ça en fait, il va pouvoir se passer de sa mère, sans trop de grandes difficultés, parce que finalement, sa mère, il la reconnaît pas encore totalement. Tout ce qu'il connaît de sa mère, c'est un sein et une moitié de visage, quoi. Donc bon, un pouce, ça fait l'affaire aussi, vous voyez. Je vous fais vraiment des gros raccourcis, mais vous comprenez l'idée, je pense. Et aux alentours de 6 mois, il va y avoir la poussée dentaire, généralement, chez les enfants. Et du coup... le phénomène d'incorporation, là, il va se passer par la morsure. Et c'est là qu'il va commencer à... Ça va être le moment du sevrage, en fait. Et là, il va découvrir progressivement qui est sa mère, et il va l'intégrer dans son mode de représentation. Donc il va commencer à la voir vraiment d'une façon un peu plus complète. Sa présence va l'apaiser et le rassurer. Et du coup, il va apparaître ensuite l'angoisse du 8e mois. Où du coup, face à l'absence de sa mère, qu'il reconnaît enfin, il va avoir encore plus peur. Parce que du coup, là, il reconnaît sa mère, il sait qui est sa mère, et elle disparaît. Donc, qui a disparu, ça veut dire quoi? Est-ce qu'elle va revenir? Est-ce qu'elle est perdue pour toujours? Enfin, voilà, voilà. Alors, je vous dis, tu t'attaches à ce que tu veux. Oui, d'accord, oui, voilà, tu peux t'attacher à la poupée Annabelle, si tu veux. Et beaucoup de gens connaissent le concept d'Oedipe, je pense, non? Au moins, à travers le mythe, je ne sais pas. Je ne connais pas beaucoup de gens. Donc je sais pas, mais j'imagine que oui. Après, s'il y a moyen de revenir dessus, au pire, ça sera, au mieux, ça sera l'occasion. On pourra en parler, parce que moi j'aime beaucoup tous ces trucs-là de toute façon. Donc, on pourra. Ok, le principe de un arbre loin de nous, il fait du bruit quand il... Alors attends, le principe d'un arbre loin de nous fait-il du bruit quand il tombe? C'est ça que tu voulais dire du coup? Mais j'imagine que oui, c'est un peu, ça peut être la même idée, ouais. Son pouce ou son bras, ouais. De quoi quand tu t'attends ton pouce, c'est vrai? Oula, je capterai. On est chez Freud, Katsu, hein, d'accord? Faut pas l'oublier, hein. Après, c'est un terme psychanalytique, hein, d'accord? C'est de l'auto-érotisme. Enfin, parce que, comment dire, ça lui fait plaisir. Quand il va téter le sein, il a du plaisir. Quand il va téter son pouce, il a du plaisir. Donc il a du plaisir tout seul, auto-érotisme, tu vois? Il satisfait une frustration, tu vois. Enfin, je vais faire le parallèle avec la masturbation, en fait. Quand tu te masturbes, je dis tu, mais n'importe qui, hein. C'est pour
décharger une tension, par exemple. Donc voilà, auto-érotisme, en gros. Voilà. Après, c'est pas justement plutôt pour le ratio de se mettre en sécurité? Oui, mais dû à une frustration du coup qu'il a eue, parce qu'il n'a pas sa mère et il a peur. Donc du coup, pour calmer tout ça, il se fait plaisir, en quelque sorte. Tu vois? Ou tu vois pas? Je suis peut-être pas claire non plus, hein, c'est fort probable. Hein. Donc du coup, après le stade oral, il y a le stade anal. Donc pendant cette période, en fait, les tensions pulsionnelles elles vont se décharger principalement par la défécation. L'enfant il va trouver divers plaisirs dans le contrôle de ses sphincters. Défécation, mais aussi le fait de retenir ses selles. Les selles, ça va être des objets ambivalents. C'est une création de l'enfant, ok. Donc c'est un objet interne. Interne, c'est un objet qui est à l'intérieur de lui. Un objet moi. Mais qui va devenir, par son expulsion, un objet externe. Donc un objet non moi, ok. Il comprend donc le pouvoir qu'il peut avoir sur le monde extérieur. Donc le monde extérieur, ses parents, il va alors apparaître la pulsion sadique. Cette pulsion, en fait, ça va être la volonté d'opposition de l'enfant. Ok? Je suis vraiment pas fan de Freud, perso. Oui, je comprends. Je comprends bien. C'est des théories, quoi. Des vieilles théories, en plus. Donc après, on a le stade phallique. C'est bientôt fini, Freud, hein, je vous rassure. Il y a le stade phallique. Donc là, les organes génitaux. Donc là, on était au niveau du pouce, au niveau des selles. On passe aux organes génitaux, qui vont devenir la zone érogène dominante. Les tensions qui vont se décharger, ça sera principalement, donc comme je vous le disais un petit peu tout à l'heure, ça va être la masturbation génitale accompagnée de fantasmes. C'est là que l'Œdipe va apparaître. Et c'est une production inconsciente du psychisme qu'on va pouvoir ressentir à travers des comportements de l'enfant auprès de ses parents ou envers les adultes. Donc l'Œdipe, il ne se traverse pas de la même façon pour le petit garçon ou la petite fille. Comme je vous l'ai dit, on ne va pas développer là. Mais la fin de l'Œdipe, ça va marquer l'entrée dans la période de latence et l'identification de l'enfant aux parents du même sexe que le sien. Donc la résolution du complexe d'Œdipe, en fait, il va dépendre de cette identification. Aujourd'hui, on pourrait dire, on est toujours dans de la théorie, attention, je précise, on est dans de l'histoire, je dirais même. L'identification, elle peut être plus compliquée parce que les mères, elles vont jouer les deux rôles, ou les pères. Finalement. Donc l'enfant, il peut rencontrer des difficultés pour intégrer l'utilité, le rôle de chacun, qui sont censés être complémentaires. L'Œdipe, c'est censé être un passage obligé pour tout être humain, voilà, et c'est une épreuve qu'on doit tous traverser et dépasser. Mais en gros, pour dire une phrase, on va dire, le complexe d'Œdipe, si on devait le définir, c'est le complexe de la séparation de la mère, parce que finalement dans l'Œdipe, bah, c'est la mère qu'on perd, quoi. D'accord, c'est horrible. Du coup, je pense à un mec qui s'était masturbé dans une Ikea et avait dit j'étais stressée, j'avais peur. Mais je connais pas vraiment Freud, mais il rapporte tout au sexe ou c'est une impression? Là tu pars dans les clichés, Katsu, mais effectivement, oui, c'est ce que tout le monde dit, c'est ce que tout le monde pense. Quand tu l'écoutes comme ça, oui, je suis d'accord avec toi, mais non, non. Mais là, on parle d'une théorie du développement psychosexuel de l'enfant, d'accord? C'est pour ça qu'on parle de sexe, d'accord? Mais par exemple, ton gars là qui dit qu'il s'est masturbé parce qu'il était stressé, qu'il avait peur, why not en fait? Parce que du coup, ça l'a permis de se calmer, de se rassurer. Bon, c'est clairement pas... C'est pas ce qu'il faut faire, hein, d'accord? Cette personne-là, j'espère pour elle qu'elle a consulté. Parce que du coup, ce type de choses, on ne le fait pas en public, d'accord? C'est un comportement qui n'est pas approprié. Mais la raison en soi, elle est valable. Et phallocentrée. Et effectivement, je le répète, on est dans de l'histoire, ok? Ok. C'est vraiment pour comprendre le développement. J'aime pas en fait parler d'un sujet sans parler... Bah de comment on en est arrivé là où on est aujourd'hui. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'à l'époque de Freud, et là on va parler de Klein, il pensait comme ça. C'est-à-dire que Klein, par exemple, elle s'est basée sur la théorie de Freud, puis d'autres se sont basés sur ses théories. Bref, et les théories ont évolué, comme elles continuent d'évoluer aujourd'hui. Et du coup, comme je vous le disais au début, voilà, c'est un live un petit peu histoire, un peu histoire de la psychanalyse, histoire du développement psycho-affectif de l'enfant.
Voilà, c'est pour poser un petit peu, on va dire, les bases pour aller un petit peu plus dans le vif du sujet par la suite, quoi. Est-ce qu'on est bon pour vous? Je suis désolée, j'ai vraiment un truc dans le... C'est insupportable. J'ai voulu, pour la petite histoire, faire une petite pause sur la Ptica, mais je me suis commandé du maquillage, tout simplement. Et je teste une nouvelle palette. Et il y avait un joli rose avec des paillettes et tout. Je me suis dit, oh ben tiens, je suis en rose, je vais en mettre. Et sauf qu'en fait, les paillettes, elles n'étaient pas, genre, comment dire, pas accrochées entre elles, elles volaient. Et quand j'en ai mis, ben, je pense que je m'en suis foutu plus dans l'œil que sur la paupière. Voilà, voilà. Je suis sûre que vous êtes ravis d'avoir eu cette info. On continue avec Klein. Klein, elle a toujours été fidèle à Freud. Et à son œuvre, tout ça. Oh, Freud, on t'aime. Voilà, c'est un peu comme ça. Mais elle va approfondir deux phases durant les premières années de la vie de l'enfant qui vont être caractérisées par une relation d'objet particulière. En fait, elle va évoquer la position schizoparanoïde qui comprend en fait les 4 premiers mois de la vie de l'enfant. Ok ? Donc là, on est aux 4 premiers mois. En fait, il est en relation avec un objet partiel, donc le sein de la mère en général, hein, et c'est sur lui qu'il va projeter ses pulsions de vie et de mort. On va pas partir dans le détail de tout ça, hein, ok ? Voilà. On pense histoire, ok, on est dans de l'histoire, là, voilà. L'enfant, en fait, il va se sentir persécuté par ces éléments perçus comme dangereux. Et pour se défendre, il fait appel au clivage. Donc le clivage, en fait, on va dire, c'est on coupe en deux. Donc le sein maternel, il va être partagé en bons et mauvais objets. Le bon sein, le mauvais sein, la bonne mère, la mauvaise mère. Ce mécanisme, en fait, il va permettre à l'enfant de supporter ses pulsions de mort provoquées par les frustrations de la mère. Parce que la mère, elle n'est pas tout le temps là. Elle n'est pas tout le temps là à lui donner à manger, lui donner de la chaleur. Donc c'est frustrant. Et ça va expliquer aussi le changement d'humeur que peut avoir un enfant. La deuxième position qui va être évoquée par Klein, c'est la position dépressive. L'enfant, en fait, il va accéder à l'ambivalence, le plaisir et le déplaisir. Il n'y a plus deux objets pour lui, le sein bon et mauvais, mais un seul objet. C'est sa mère en tant qu'entité entière. Donc c'est la mère entière qui va être aimée ou haïe. Ok, on aime maman ou on l'aime pas trop, c'est pas... Et ce sentiment, en fait, il va faire culpabiliser l'enfant. Il est la mère dont il a besoin et dont il dépend, mais si elle satisfait pas toujours ses désirs, il ressent alors un fort sentiment de violence qui lui fait craindre du coup de la détruire et du coup de la perdre à tout jamais. Il se sent vraiment tout puissant, du coup. C'est un enfant, c'est des mécanismes, voilà, voilà. Donc cette position dépressive, elle est dépassée lorsque le bon objet prend le dessus. Quand du coup on n'est plus que sur une mère aimée qui n'est plus haïe. Donc cette position, elle va se caractériser aussi par un complexe d'Œdipe précoce, où le bébé, il va fantasmer les relations entre ses parents comme des gratifications mutuelles dont il est exclu. Et encore heureux, j'ai envie de vous dire. Mais du coup, voilà, on va parler vaguement du complexe d'Œdipe, donc il va ressentir de la jalousie, de l'envie, et vont se développer alors des fantasmes agressifs. Quand le bébé perçoit cette mère-là comme un objet total, il apparaît donc le fantasme des parents combinés. Quand je m'entends parler, je me dis, putain, c'est excellent, qu'est-ce qu'on s'éclate. Le père, il va être fantasmé comme étant une partie de la mère, et du coup, vu que c'est une partie de la mère, il va être idéalisé. Pour le garçon comme pour la fille, hein, le premier objet de désir, c'est le sein maternel. Mais du coup, par la suite, c'est le pénis paternel qui va devenir un objet de désir et qui détournera le bébé du sein. Pour elle, donc pour Klein, la résolution du complexe d'Œdipe précoce, ça va être La résolution du complexe d'Œdipe précocement et l'identification à un des parents, ça va modifier l'organisation interne du moi. Donc en fait, comme je vous le disais tout à l'heure, aborder en fait le développement psycho-affectif de l'enfant, c'est nécessaire en fait pour comprendre comment se met en place le mode de relation entre la mère et l'enfant. Cette théorie, ça serait la clé afin d'appréhender la théorie de l'attachement de Bowlby et de comprendre d'où peuvent provenir les failles dans le bien-être de l'enfant et du coup, par la suite, plus tard, de l'adulte. Attendez, je vais vous lire parce que... Et après, on a quasiment fini. Après, je vous libère. Vous serez sauvé. Alors, j'en étais où? Alors, je sais pas. Il s'est fait arrêter, c'est tout ce que je sais. Bon, déjà, bien.
Après, c'est juste l'impression, car à chaque fois que j'entends parler des travaux de Freud, ça revient à chaque fois, alors que ça se trouve pas du tout. C'est un peu comme Socrate, souvent quand on est aux erreurs scientifiques qu'il a pu faire, alors qu'il a décrit plein de théories et que ça a été... Alors que une méthode toujours utilisée. Oui, sinon c'est glauque. Je suis entièrement d'accord. Après, tu te souviens quand tu m'avais envoyé une vidéo là par rapport au test de Rorschach et que je t'avais dit, ça sera toujours pareil. La façon dont tu vas monter une vidéo et dont tu vas parler d'un sujet, forcément tu vas le sentir si tu veux dire que c'est de la merde ou que ça n'est pas. Tu vois. Donc forcément, ceux qui sont contre Freud, ils vont dire, il parle que de cul, il ramène tout au cul, bla bla bla. Enfin voilà, Freud, et c'est ce que je reproche aux universités, c'est que c'est la seule personne, on va dire entre guillemets, en psycho, que tu vas étudier. Alors qu'il y en a plein d'autres. Et souvent on me disait, ouais, vous êtes plutôt freudien, machin, truc. Ben, moi, en fait, je me sens plus proche, par exemple, de Jung, au niveau spirituel, etc. Mais c'est un gars que tu étudies pas plus que ça. Donc moi, forcément, j'ai fait des études, on va dire, où j'ai été bercée par Freud, parce que c'était les courants de la fac dans lequel j'étais. Mais t'as des facs genre en Bretagne, il me semble que c'est Lacan, par exemple, et tu n'étudies pas du tout Freud. Donc moi, je parle du coup de ce que j'ai appris et de ce que je connais. Je dis pas que je suis d'accord ou quoi que ce soit, parce qu'en soi... on s'en tape un peu, j'ai envie de dire. Mais je trouve que ça mène à réfléchir, justement, et de, ben justement, de pouvoir en discuter, de dire, ouais, bon, ça, bof, bof, ça, why not, je vous fais pas la messe, quoi. En fait, comme je vous disais, il faut vraiment le voir comme quelque chose d'historique, parce qu'après, en attendant, clairement, il n'y aurait pas eu Freud, ben, il n'y aurait peut-être pas eu la psychanalyse et tout ce qui a suivi par la suite. Et moi, forcément, je ne veux pas cracher sur tout ça, parce qu'il y a eu malgré tout de très bonnes recherches et de très belles évolutions aussi. Mais il est clair qu'aujourd'hui, on ne se base plus forcément sur ce modèle-là, évidemment. Pour chasser un truc qui te gêne dans l'œil, j'ai une technique. Tu fermes l'œil, tu regardes dans les deux diagonales. Oh, et haut à droite, bas à gauche, puis haut à gauche, bas à droite, tu fais une grande sac, toujours les paupières fermées. Normalement, ça aura ramené ce qui te gêne au coin de ton œil. Elle me dit, tu fermes les yeux, tu fais le Konami Code et ça débugue ton œil. Alors attendez, on va faire un petit essai, je vais vous éviter de ça. Alors, attends. J'ai pas l'air con. Je sais pas trop, on verra. En tout cas, je crois que ça a bougé en vrai. Donc on verra. On verra. Va mourir chérie. Non mais non, mais non, mais non. Comment tu fais le A, le B? Laisse deviner. Oh, mais vous êtes affreux! Comment ça? La seule personne que tu as étudiée, c'est une caricature? Sinon, je comprends pas la logique. C'est comme si tu enseignes l'exploration et que tu étudies que la NASA. Je veux pas savoir. C'est pas une caricature, non? En fait, c'est comme je vous expliquais lors du live en psychologie, tu as divers spécialités. Tu as la clinique, tu as la sociale, tu as le développement et tu as le cognitif. Ok? Tu peux avoir la neuropsie aussi selon les facs et bon. Etc, etc. Dans la psychologie clinique, tu as divers courants. Donc, c'est-à-dire que dans certaines facs, psychologie clinique, c'est au chevet du patient. Hein, donc, c'est, on va dire, les psychologues que tu as souvent en libéral, les psychanalystes, etc, etc. Hein, d'accord ? C'est ceux vraiment qui sont au chevet du patient, à l'écoute, thérapie par la parole, etc, etc. Et donc, du coup, tu as différents courants quand il s'agit de la psychanalyse. Tu as Freud, tu as Lacan, tu as plein d'autres, voilà, tu as Jung donc, etc, etc. Et en fait, selon les facs, comme je te dis par exemple, Jung, je le connais parce que je me renseigne, je regarde un petit peu ailleurs. Et c'est en ça que la fac, c'est un petit peu aussi, j'allais dire sectaire un peu, mais c'est un peu le cas, je suis désolée, c'est un mot un peu dur, mais c'est un peu ça, parce que selon les facs, ça va être des pro-Freud, selon les facs, ça va être des pro-Lacan, et etc, etc. Donc du coup, si t'es pas dans le courant d'idées, ça peut être compliqué, hein, franchement. Hein. Donc voilà. Ça serait plutôt, tu enseignes l'exploration spatiale et tu n'as étudié que la biographie de Elon Musk, par exemple. Lolberg. Alors, je vous finis le sujet. On va parler d'Anzieux en 85. Lui, il a souvent évoqué l'importance du contact corporel chez l'enfant dans son développement social. Alors, c'est peut-être un concept dont vous avez déjà entendu parler, c'est le concept du moi-peau.
Cette notion, elle va expliquer comment se construit le sentiment d'existence, d'identité du bébé. Il va permettre de comprendre comment le moi se constitue au sens d'un moi différent des autres. Pour Anzieux, ce sentiment d'être une personne unifiée, d'accord, donc d'être une personne entière, être soi-même soi, quoi, ça va s'appuyer sur la peau. Pour en arriver à ce concept, il s'est inspiré de Harlow, de Bowlby, de Spitz, ou Spitz, du coup, Winnicott, tout ça, tout ça. Winnicott, c'est un psy aussi qui travaillait avec les enfants. Et notamment, qui a mis... qui a travaillé sur le dessin, analyser les dessins des enfants, etc., etc. Et donc, il va introduire le corps comme une dimension vitale de la réalité humaine. Le moi va s'étayer sur le moi. Le bébé, il va recevoir les gestes maternels dans un premier temps comme une excitation, puis comme une communication. Le massage devient un message, dira-t-il. Donc, pour en revenir à la pulsion d'attachement, Anzieux, il va la considérer comme un accomplissement pulsionnel non libidinalisé, indépendant de l'investissement des zones érogènes, intermédiaire entre la pulsion d'autoconservation et la pulsion sexuelle. Voilà, voilà. Ouh, on a tous survécu, ou pas, je ne sais pas, peut-être pas tous, mais voilà. Donc, je le savais, ça, que ça allait être assez costaud au niveau des termes psycha. Je vous l'avoue, les semaines suivantes, ça sera beaucoup plus tranquille, normalement. On aura des vidéos aussi, ça devrait être cool. Enfin, moi, j'aime bien. Et puis bon, là, bon, c'était le commentaire d'Ili, mais bon, apparemment, 8 minutes, c'était pas très très long, donc, enfin, c'est passé plutôt vite, donc c'est plutôt cool. Mais c'est peut-être ironique, maintenant que j'y pense. Je sais pas, mais je pense pas, je sais plus. Bref, on s'en fout. Donc, voilà, on aura une petite vidéo. Et donc, semaine prochaine, on va aborder la notion de caregiving. Je suis pas bilingue. Et caregiving, ça veut dire prendre soin. Hein. C'est la notion, c'est le versant parental de l'attachement. Et on va, mais j'ai pas envie de vous spoiler. On va étudier une autre expérience qu'ils ont fait sur des humains, n'est-ce pas? Et on va découvrir les différents types d'attachement selon Mayne. Parce qu'après, on verra sur les semaines à venir que, ben, à l'adolescence, on a des types d'attachement aussi. Dans la famille, il y en a d'autres aussi. Quand on est adulte, etc., etc. Enfin, voilà. Donc voilà quoi. Non, pas ironique. Ok, cool. Effectivement, c'est des choses assez corsées, je trouve. Attention, c'est pas inintéressant, mais juste que c'est plus compliqué ou plus abstrait quand tu n'as pas étudié de base le sujet. C'est ça. C'est ça. J'ai pris le risque, on va dire. J'ai pris le risque. Je savais qu'il était possible que, j'allais dire, je perde du monde parce que c'est pas forcément hyper intéressant, surtout quand t'es pas pro-psycha. Ce que je peux entendre complètement. Même moi, au bout d'un moment, les théories freudiennes, ça me passe un petit peu. Voilà. J'aime beaucoup plus lire d'autres choses aujourd'hui. Mais. Voilà, ça me tenait à cœur d'en parler, de le faire quand même, même si c'était relou. Voilà, comme je le disais tout à l'heure, j'aime faire les choses dans l'ordre. Du coup, voilà. Du coup, c'était intéressant, mais ça questionne sur soi-même des fois. Alors, merci, c'est cool, tant mieux, je suis contente. Mais du coup, ça t'a questionné sur quoi? Si t'as envie d'en parler, dis-nous tout. C'est quoi qui t'a questionné? Moi, je trouve que c'est toujours bien quand on se pose des questions sur soi. C'est toujours bien de rien prendre pour acquis, de... Je l'ai déjà dit, mais les gens qui disent « Ah, oh, moi, je me connais, je sais qui je suis... » Non, je crois pas, je pense pas. Non, je pense que savoir qui on est, est-ce qu'on le sait un jour, en fait? On est tellement en perpétuelle évolution, on se met tellement d'œillères sur plein de choses, bien souvent, que... Voilà, moi je pense que c'est bien de se poser des questions. Alors il y a toujours, n'est-ce pas, un juste milieu, il ne faut pas toujours trop s'en poser et se faire accompagner si on se pose trop de questions ou que ça peut être angoissant, parce que trop se poser de questions, ça peut faire stresser aussi. Mais moi je trouve ça bien de se questionner. Donc si tu as envie de partager tes questions, surtout, tu n'hésites pas. Parce que si on peut discuter, c'est bien. Et les autres aussi, si vous avez des questions ou des commentaires, rien que des commentaires, c'est très bien. Enfin, on est là pour avancer ensemble. Donc voilà. Donc finalement, je vois le temps, ça fait 1h14 qu'on y est. C'est pas non plus si déconnant, enfin, ça va, c'était pas plus long que d'habitude. Hein.
Donc ça va, j'ai l'impression. Bon, ça va aider à Ilimitsu à bien dormir au moins, c'est déjà ça, j'espère. mais voilà. Donc semaine prochaine, ouais, ça sera un petit peu plus cool, je pense. Enfin, un peu moins lourd au niveau des notions, en tout cas, je pense. Donc voilà, voilà. Je réfléchis si j'avais pas d'autres trucs à vous dire. Niveau orga, mais je crois pas. D'ailleurs, je sais pas si sur YouTube la vidéo avec Michel va pas partir le replay. On m'a dit que si c'était pas M6, je pouvais mettre des vidéos YouTube. Moi, je me suis demandé pour ma vidéo YouTube que j'allais faire. Tu vois, si sur YouTube, quand je vais mettre la vidéo, ils vont pas mettre des trucs. Mais je sais pas, on va voir. Tant que moi, je peux me garder la vidéo, j'ai envie de dire, ça serait cool. Mais je pense pas, je pense qu'on aurait eu un avertissement ou quoi. Ou peut-être que j'en ai un, mais je pense pas, honnêtement. Normalement, je pense pas. On verra. Je me connais pas du tout. Mais je me sens pas assez à l'aise pour en parler sur un simple humain. Rien que... Ah non, 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 bien sûr, mais t'es totalement en droit, clairement. Franchement, on le prend pas pour nous, hein, t'inquiète pas. Il y en a qui parlent, d'autres qui préfèrent pas, et c'est vraiment ok avec ça, hein, ne t'inquiète pas. Mais c'est bien de... Je pense que c'est bien de se poser des questions. Et si tu peux les développer, toi, de ton côté, c'est bien aussi. Ça va être cool de pouvoir développer ça, j'ai hâte de voir la suite. Mais cool, tant mieux. Tant mieux si ça t'a pas trop rébuté, du coup, hein, parce que moi, j'avais un petit peu peur, mais voilà. Ça c'est fait, on n'en parle plus. Je vous dis pas, on risque de reparler peut-être, hein, je sais plus trop. Mais voilà, au moins ça c'est fait. Peut-être du montage, mettre en image à l'envers, voir l'histoire. Et tu sais que honnêtement, s'il y a un replay qui saute, hein, j'ai envie de dire c'est pas grave. Si moi je peux le garder, c'est bien. Et sinon, bah, vous le garderez en mémoire, hein, n'est-ce pas? C'était un live inoubliable. Comme d'hab. Donc voilà, franchement, non, si ça saute, c'est pas très grave. Au moins, on verra. On va voir, parce qu'au moins, ça me permettra de voir si ça fait quelque chose ou pas. Et que si ça fait rien, on pourra faire des petits réacts de temps en temps. Moi, j'aimerais trop. J'aimerais trop, trop, trop. Mais je pense qu'il y aura moyen. Franchement, j'en vois plein des gens qui font des trucs. Donc, je me dis, voilà, moi aussi, je veux faire des trucs. Voilà. C'est pour Freud. Cette chanson l'a dédiée à Freud. Tu as fait un bon équilibre niveau technique vulgarisé. C'est vrai ? Bah, tant mieux alors. Merci. Je crois, merci. Parce que honnêtement, quand j'ai lu mes trucs, parce que mon mémoire, forcément, on va dire, il était technique. Du coup, technique dans les termes psycha. Et j'ai écrémé, il y a des trucs que j'ai reformulés, et là après à l'oral j'ai essayé de vous donner des exemples, des machins, pour que ce soit un petit peu plus clair, mais c'est franchement pas évident. Je serai jamais prof quoi, mais voilà, ça sera l'exclu Twitch, tu pourras écrire venez au live sur YouTube. C'est ça, exactement. Aïe aïe aïe. Dommage, Freud, je pense pas qu'il a connu cette chanson. I'm so excited. Bref, Freud, si tu nous entends, on pense à toi. Voilà, voilà. Bon, est-ce qu'il y a d'autres choses ou est-ce qu'on s'arrête là? Dites-moi. Je sais pas, il est mort quand? Il est mort en 1900... je vais te le dire. Nope, un cancer de la gorge. Ah, c'est vrai. Dans la nuit du 23 septembre. Mais non. Mais si. Hein? En 39. Hein? Mais non. Si. Quel est le QI de Freud? Hein? Attendez, parce que là, du coup, je vois des dingueries. Ouais, non, il est mort le 23 septembre 39. Vous vous rendez compte? Vous imaginez?
il a vécu quand même pas mal, hein. Il est né en 56. En 1856. Donc... Bon, par contre, je vous déconseille totalement la série sur Netflix. Je ne sais pas si elle y est encore, d'ailleurs, sur Freud. Nul. Nul. Rien à voir. Rien à voir. Ah bah non, du coup, il a pas connu. Je sais pas pourquoi je pensais qu'il était encore en vie. Mais non, 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 non. Non, mais moi, dans ma tête, je sais pas pourquoi je pensais plus 60, voire 80, mais pas du tout. Pas du tout. Mais non. Non, non. Cancer de la gorge. Accro à la cocaïne, ce cher monsieur. En tout cas, de mémoire. Incroyable. C'était pas de mémoire, hein. La date, c'était pas de mémoire, en tout cas. Non, non. Les causes de la mort, je les connaissais. Mais c'était pas de mémoire. Pas si longtemps, mais genre mort en 1980. Oui, ben oui, moi aussi. Comme je te dis, ouais, j'aurais pu... Ouais. Alors que pourtant, ouais. Je savais que c'était en septembre, par contre. Mais, ouais. Ouais, ouais, ouais. Non, moi, c'est une histoire qui... Enfin, une histoire... L'histoire de Freud, des théories, des recherches et tout, ça m'a toujours intéressé de comprendre un petit peu tout ce qui s'est dit, fait et tout. Franchement, c'est intéressant de lire un peu les dingueries aussi. Parce que franchement, j'ai un livre, je ne vois pas de là. C'est Petite perversité, je ne sais plus quoi, enfin, c'est un petit livre qui retrace quelques théories de Freud au niveau de la sexualité, évidemment. Et c'est des dingueries. L'année prochaine, live du 23 septembre, je pense, à 8h, live en septembre. Attends, ça tombe à quelle date? On va regarder. Octobre. Septembre. Oh putain, 23 septembre 2024, c'est un lundi en plus. Oh, on va faire un live hommage à Freud. Ah ouais. Je vais y penser d'ici là, vous croyez? Est-ce que je vais continuer à stream d'ici là? C'est dans longtemps, hein. Voilà, parfait. Voilà, on a pas notre sujet pour dans quelques semaines, mais au moins on sait que le 23 septembre 2024, on fera un live spécial pour Freud. Voilà. Je suis ok, pauvre Freud. Ah là là. Ouais. Après, je sais pas si ça vous intéresserait. Je sais pas du tout, hein, je pense à ça comme ça. Mais je sais pas, de faire des petits lives sur des psys comme ça, voilà, un peu voir un peu leurs recherches, ou des théories comme ça. Ça pourrait faire partie des petits lives supplémentaires en semaine ou quoi, je sais pas trop. Sur des psys, sur des recherches, sur des expériences, sur des... J'essaie de réfléchir un petit peu à pas mal de choses. Mais le truc, c'est que ce qui m'intéresse à moi ou que je pourrais trouver fou, ça va pas forcément... Ça peut... Enfin, c'est pas obligé que ça intéresse tout le monde aussi. Donc moi, je vais être hyper hype pour faire un truc et finalement, vous allez me dire, mais... C'est nul, on s'en tape. Donc je sais pas trop, mais je réfléchis un peu. Mais t'as un rappel sur calendrier, sinon c'est mort, non? Tu crois? Non mais la question c'est est-ce que je serai toujours là? Enfin pour live. Je te le rappellerai, comment ça? Est-ce que tu streameras encore? J'espère. Oui, non, je pense aussi. Franchement, oui. Je vais devenir tellement célèbre que... Oui, c'est de l'humour, évidemment. Au cas où. Mais surtout, Liu, justement, tu pourras en parler et peut-être casser les clichés. Lui, oui, d'accord. Liu, en plus, je te lis, tu sais, c'est... Ouais, ouais. Oui, alors peut-être pas les casser non plus, du coup. Mais non, il y a des trucs très intéressants. Enfin, j'ai les biographies et tout, enfin... C'est... Moi, j'ai tendance à dire, il y a toujours du bon chez tout le monde. Voilà. Voilà, voilà. Mais voilà. Genre, quand j'ai lu... J'avais lu je sais plus quel livre sur Jung... Et en fait, il expliquait qu'il s'était détaché de la pensée freudienne. Et là, tu te dis, ah ouais, mais Freud, en fait, c'était du grand n'importe quoi. Mon Dieu, affreux ce qu'il faisait. Et je suis sûre, tu lis du côté de Freud. Lui, la façon dont Jung s'est détaché de lui, s'il faut, il a hyper mal vécu aussi. Enfin, vous voyez, enfin, au pire, on s'en fout. Mais bon, moi, je me dis, mais oh là là, c'est... Bref, voilà quoi. Tu seras une star, tu ne parleras plus. Non, pas du tout. Je pense pas. Honnêtement, je pense pas que je pourrais vriller comme ça. Je me le souhaite de devenir une star. Et encore, qu'est-ce que ça veut dire star? Mais je pense pas honnêtement que je changerai. Un mode gossip psy. Oui, c'est ça. Mais non, Jung il a dit ça. Mais Freud il a dit qu'il avait dit ça à Lacan. Enfin voilà, non. Enfin, c'est même pas la même époque, je crois. Tiens, Lacan. Alors Lacan, il est mort quand Lacan?
est mort en septembre aussi. C'est fou. Mon chien, il s'appelle Freud, ouais. 9 septembre 1980. Il est né... Il a vécu 80 ans quand même, hein. Quelle est la différence entre Freud et Lacan? Les Freudiens essaient de se rendre au sens... Alors déjà, quelle est la différence entre Freud et Lacan? Si vous comprenez la réponse, on est bon. Les Freudiens essayent de transformer le symptôme en sens symbolisé et partagé entre patient et analyste, alors que les Lacaniens me semblent dénoncer, déconstruire le symptôme et le sens qu'il pourrait véhiculer. Voilà. Là, j'ai l'impression de lire un énoncé pour les devoirs que je devais rendre. Et les énoncés, tu sais, tu les lis 15 fois jusqu'à comprendre quelle est l'idée. Puis après, tu découpes, tu sais, tu prends les mots-clés, tu te dis, ok, alors il y a ce mot-clé. Ok, alors je vais écrire sur ça. Et puis à la fin, on va essayer de voir ce qu'on peut en faire, quoi. Voilà, on est bien. Allez, bonne nuit à tous. Règle pour reconnaître les vrais petits, il meurt en septembre. Ouais, ben moi je suis née en septembre, alors comment on fait? On est bon, non? Je sais pas. Je sais rien. Mon dieu. Lacan, idole ou démon de la psychanalyse. Mourait sous un faux nom d'un cancer du côlon. Dans une clinique. Ils sont tous. Non, les deux en tout cas que je sais, ils sont morts d'un cancer en tout cas. Ok. What you want. C'est qui est mort. Excusez-moi, je vois décès. Ah, ok. Bon, bébé, voilà. On va en rester là, je pense. Alors qui... Ah, une femme qui jouait dans la petite maison dans la prairie et dans Stargate SG1. Tu veux son nom? Son nom c'est Elisabeth Hoffman. Voilà, je vois pas qui c'est. Voilà. Ça nous fait une belle jambe. Je sais pas qui c'est, voilà. Moi non plus. Mais il y a des décès 15 fois par jour avec cette application. Enfin, c'est. Bref. J'ai des notifications de décès 15 fois par jour avec cette appli. Donc voilà. Je suis au courant, mais ça. Bref. Du coup, demain, je ne sais pas si je vais stream, du coup, l'après-midi. Je me tâte un peu, parce que du coup, j'ai ma nouvelle patiente. Je suis trop contente. Trop contente. J'ai trop hâte. Ça a l'air trop cool. Trop cool comme appli. Oui, non, c'est télé-loisirs, ça s'appelle, je sais plus. Enfin, c'est les programmes télé. Mais en fait, je reçois des notifs toute la journée, et notamment pour les décès. On est ravis. Donc, voilà. Donc je me tâte, je sais pas trop. Je sais pas si je streamerai genre de 16 à 18 ou quoi, je sais pas, je vais voir. Star nécrologie, c'est clair. Oui. Bon. Voilà. Et le soir, du coup, on se retrouvera vers 20h, je pense, par là, pour sur Beau, tranquillou, avec Pone, les bons plans. Évidemment. J'aime pas cette zone, en plus il faut qu'on la passe vite, j'en ai marre. Et voilà, mercredi, pas de live le soir, mais l'après-midi, jeudi, c'est machin truc de Réliana. Elle m'entend pas, donc ça va. House flipping, je crois. Je vais juste mettre une musique que je lui ai envoyée tout à l'heure. C'est une reprise de Power of Love. Elle est trop belle. Vous allez m'en dire des nouvelles. Parce qu'elle kiffe. Ça va peut-être la faire revenir. On va se quitter en douceur. Vous voyez. House Flipper. Ah, elle est là. Oups. Ah, mais tu vois, en plus, j'ai mis la musique et tout. Voilà. Tu es là. Oui, tu es là.
Remarque, on en avait déjà parlé, mais pourquoi pas pour des petits lives psy, faire du rail, genre sur un reposage sur le Picard. Oui, non, mais carrément, bien sûr, mais oui. Mais du coup, effectivement, on n'avait pas parlé, genre, enfin, je crois pas qu'on avait parlé de faire du react sur le reportage, mais juste de faire des petits sujets comme ci, comme ça. Mais on peut le faire en mode react aussi, effectivement. Mais je pense que je vais lancer des sondages, genre quel type de truc, quel horaire aussi. Parce que voilà. Donc, juste un arrière-plan. Ok. Pour l'anecdote, je suis en train de lire un livre sur la psychologie adlérienne. Il y a Adler aussi. Une approche que je trouve très intéressante. Oui. Mais comme je disais tout à l'heure, je pense qu'il y a, il y a à en prendre de partout. Il faut... Il y a du bon chez tout le monde. Il y a du bon chez tout le monde et il y a des choses... Vous m'en laisserez passer aucune, hein. Mais aucune. Je pense qu'on va écrire un livre. Hein. Il faut que vous les notiez, vous, de votre côté. On va publier un livre. Hein. J'ai besoin d'arrondir les fins de mois. Hein. Donc voilà, on va faire ça. Mais donc voilà, parce que moi-même, et j'en avais déjà parlé, je me forme à plein de trucs, entre guillemets. Je me dis, oh, ça a l'air trop bien comme type de thérapie et tout, j'ai envie de le faire et tout. Et t'es content, tu l'appliques, et ça se passe bien, machin. Et il y en a d'autres, tu les fais. En fait, une fois que tu as fait la formation, tu te dis, bon... C'est pas fou, je range et on y reviendra peut-être un autre jour. Donc je pense que chacun a des choses intéressantes à apporter. Ma liste de livres à lire et en est témoin de tout ça. Donc voilà. Bon, on va aller voir le poteau des disquettes hein, qui est en live. On va aller le déconcentrer un petit peu. Bientôt le McDo. Je compte sur toi, Warlord. On en a un grâce à Katsu déjà. Il va falloir que je me le cale, mais voilà. Ça dépend beaucoup de la personne, il n'y a pas une recette magique. Exactement. Parce que ça, c'est pareil. T'as un type de thérapie qui peut fonctionner sur une personne et pas sur l'autre. Et inversement, enfin, c'est tellement... Mais c'est trop bien. C'est ça qui est passionnant aussi, quoi. Moi, j'aime bien. J'aime bien... Tu vas partir sur un truc avec un patient et finalement tu vois que bon, c'est pas la meilleure approche, donc tu prends un autre chemin, etc. Enfin, voilà quoi. Enfin, c'est bref. Moi je kiffe, je suis bien. C'est pour ça que j'ai trop hâte là demain d'avoir ma nouvelle patiente là, et de voir. Parce qu'en plus, ça m'a... quand on réserve sur mon site, je demande toujours le motif pour avoir une petite idée. Alors il y en a qui mettent rien. Ils s'en tapent, ils disent suspense, tu verras, je ne me dévoile pas comme ça. Et il y en a d'autres qui détaillent et qui détaillent bien. Et rien qu'au teasing, je me suis dit oh là là, ça va être trop bien. Et en plus, et là c'est pour ça que je la mets là, elle, quand c'est en visio, je leur demande qu'ils me mettent déjà leur identifiant Skype. Je fais les vidéos par Skype. Parce que bah, du coup, sinon, c'est allez, je fais un mail, voici le lien, cliquez dessus s'il vous plaît et envoyez-moi un message, comme ça je peux vous appeler au moment du rendez-vous. Parce que sinon, bref. Bref, et elle, direct, elle a mis son lien, machin, besoin de rien, envie de toi. J'ai cliqué sur le lien, je l'ajoute à mes contacts, demain je l'appelle sans souci. Bon, j'ai juste fait un mail, parce que vu qu'elle est en Guyane, on a dit, c'est ça ? Ben, il y a un décalage horaire. Donc je me suis dit, elle a pris rendez-vous pour 15h. 15h chez elle ou 15h chez moi ? Parce que du coup, 15h chez nous, c'est 10h chez elle, en gros. Donc, si un matin à 10h, heure française, enfin, vous avez compris le truc, c'est compliqué. Oh, mais Akou, tu étais avec nous. Mais merci à toi d'être resté dans l'ombre encore. Alors, non, pas merci d'être resté dans l'ombre. Hein. Merci d'avoir été là. Et montre-toi, voyons, quand tu es là. Ça fait plaisir. Merci beaucoup. Et bonne soirée, du coup, et bonne nuit. Surprise, oui. J'aime quand un plan se déroule sans accroc. Mais oui. Mais on en tient, bon d'accord. La bonne élève. Mais oui, quelqu'un qui lit. Ah, ok, alors elle veut le motif, ok, je lui dis, à peu près. Ah, elle veut l'idée Skype, ok, je lui mets. Parfait, magnifique, tu lui fais un mail. Parce qu'elle a réservé à quelle heure? À 8h, je crois, 8h ou 19h30, enfin bref, on s'en tape. Du coup, j'étais en mode, putain, j'ai fait un mail ou j'ai fait pas un mail? Parce que, comment je sais qu'elle est en Guyane, en soi? Parce que, voilà, c'est marqué. Mais bon, les gens, ils ne savent pas forcément qu'on a ces infos-là. Donc, je me suis dit, c'est un peu délicat quand même. Mais je me dis, bon, si jamais, il ne faudrait pas qu'il y ait un loupé. Donc, tant pis, je fais un mail. J'ai dit, voilà, ça m'a mis que vous étiez en Guyane. Mais peut-être pas, mais dites-moi. On ne sait jamais.
Merci pour le... des bisous, ma juge de classe. Des bisous, merci à toi d'être resté. Désolée d'avoir relancé la discussion. Mais pas du tout. Mais ne soyez pas désolés. On va pas être désolés de discuter, voyons. Ça va pas ou quoi? Jamais de la vie, c'est bien. Non, je préfère l'ombre. Ok. Ok, à coup. Préfère l'ombre, alors. Pas de soucis. Tu viens de briser mon cœur en mille morceaux, mais c'est pas grave. Ok. Bon, et bien c'est parti, alors. Allons dans l'ombre et allons dire bonjour à Jarak, dans ce cas. Évidemment, vous allez lui dire, comme à tous les raids qu'on fait, hein, que vous avez passé un moment fantastique avec moi, comme d'habitude. Et puis, on se retrouve peut-être demain dans l'après-midi, mais c'est pas sûr. Prince des ténèbres, oui, c'est ça. Et ce qui est sûr, c'est le soir. Voilà, voilà. Bon, en tout cas, ben, merci à tous. Merci pour votre présence, merci pour les lurks, merci pour vos discussions, pour tout ça, comme d'hab. Et on se retrouve sur Discord, Insta, etc, etc, tout le monde sait où, quoi. Et puis voilà, oui chef, on va dire ça. C'est très bien, merci beaucoup. Allez, je vous dis au revoir, je vous fais plein de bisous, merci pour tout encore, c'était top. Et à demain, du coup, plein de bisous.